Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty DP Folies. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. Voilà, c'est un achat que j'ai réalisé sur AliExpress chez le vendeur PDMDOG Store. Voilà, c'est une commande que j'ai passée le 23 août et que j'ai réceptionnée le 17 septembre. Voilà, donc quand vous voyez le paquet, on se doute bien de ce que c'est, hein, et le bruit. Et oui, Letty, elle a encore craqué pour un rangement. Un rangement, oui. Ça fait un moment que j'ai vu ce rangement passer sur quelques chaînes YouTube. Et notamment sur la chaîne de Céline. Mais c'est pas vraiment le même. Céline, donc de la chaîne Céline Diamante. Et c'est déjà pas mal. Elle avait eu des petites mésaventures parce qu'elle avait commandé une mallette et il fallait qu'elle commande les pots à part. Et puis, dans sa mallette, en fait, elle n'a pas reçu la bonne mousse pour les contenants. Donc, elle a dû se débrouiller elle-même pour faire la place qu'il fallait. Donc, on va découvrir ensemble de quel rangement il s'agit. Alors, j'ai déjà pré-ouvert, hein, pour éviter le bruit, mais ça fait du bruit quand même. Donc ça arrivait dans un, comme dit, dans un petit sac comme ça. Et encore dans de la bulle. Donc c'est super bien protégé. Ah ben, je suis contente. Ma valisette, elle est intacte. Enfin, ma petite mallette. Parce que j'avais peur qu'elle arrive à arriver vu que c'est une boîte en plastique. Voilà. Donc, alors, désolé pour vos oreilles. Oh! Voilà. Donc, il s'agit d'une petite boîte comme ça. Ça faisait un moment hein, que je ziotais du moins les petits contenants. La boîte, je ne savais pas laquelle prendre. Donc voilà, après je me suis décidée à prendre celle-ci au vu des catastrophes que Céline a eues. Voilà. Ah, bah les étiquettes étaient collées. Sympa. Donc on a des étiquettes avec. Celle-ci était collée sur le petit pot. Bon bref, c'est pas grave. Mais c'est plutôt sympa d'en avoir toujours avec. Et donc voilà. Donc, ma boîte de rangement, c'est une boîte qui contient normalement 64 petits contenants, petits pots, voilà. Donc, on va voir. Donc, c'est pareil que les boîtes à tic-tac, sauf que celles-ci, elles sont carrées. Voilà, elles sont pas rectangles dans la longueur, voilà. Et donc, j'ai, si je ne me trompe pas, pu voir qu'on peut mettre jusqu'à 2000 diamants dedans. Donc, c'est beaucoup plus grand que les autres boîtes tic-tac. Hein. Voilà. On a beaucoup plus de capacité. Et je voulais ces boîtes justement parce que dans certaines couleurs, dans les boîtes tic-tac, l'inconvénient, c'est qu'elles sont petites. Donc, on n'en rentre pas beaucoup dedans. Et là, vu que c'est plus grand, je pense qu'on met 2 à 3 boîtes tic-tac dedans, si pas 4. Voilà. Donc... J'ai bien aimé ce type de carré, voilà, de rangement en forme carrée sur le dessus, comme ça, voilà, où on peut mettre plus de diamants dedans. Donc, comme je le disais, alors, donc ça arrivait dans une boîte en plastique pas dur, pas, il est un peu mou comme ça. Mais franchement, je suis contente parce que, ouais, elle est arrivée sans être cassée. On a des petits clips par ici qui sont aussi intacts, voilà, qui ne sont pas cassés. Donc, je suis contente. Et donc, on va vérifier ensemble. Donc, 2, 4, 6. Ah, là, j'ai un petit truc, là. Ça vient d'où, ça? Parce que je vois rien de cassé, mais j'ai ce petit truc, là. Bon, bref. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64. On a bien nos 64 petits contenants et franchement, je suis, comme dit, je suis vraiment ravie de cette petite boîte.
Voilà, donc on a même une petite accroche. Enfin, ici, on peut venir accrocher notre valisette si on a envie de la suspendre. Voilà, tout simplement. Donc, oui, non, moi, je suis contente de cet achat, vraiment. Voilà. Et donc, à l'intérieur aussi, alors, on a des... Comment ? On a des... Oh, comment je vais pas arriver à l'enlever. Alors, je vais enlever les bouteillons, je vais vous montrer. Voilà, ben là, notamment, j'en ai un. Vous voyez, on a des séparateurs comme ça qu'on peut venir soit mettre si on a envie, soit les enlever, tout simplement. Voilà. Comme ceci. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez là. Donc là, on a les séparateurs. On vient y glisser on a les encoches, pardon, et on vient y glisser notre séparateur. Et Letty, elle fait pas gaffe, elle fait des conneries. Voilà. Et voilà, donc ça fait un séparateur. Mais on n'est pas obligé de le mettre. On peut très bien l'enlever. Il n'y a aucun souci. Mais voilà, j'ai de nouveau remis à côté. C'est pas possible, ça. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, il veut pas rentrer. Il ne veut pas rentrer. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi et mes conneries. Enfin bref, je vais pas vous casser la tête avec mes bêtises là. Hein? C'est une fois ça va, une fois ça va pas. Bon, bref. Si, apparemment, là, il est dans l'encoche. Voilà. Maintenant, il est dedans. Oui. Donc, et en plus, Céline avait payé bien, bien plus cher parce qu'elle, comme dit, quand elle a commandé sa valisette, elle était vide. Elle devait acheter les petits pots à part. Donc, moi, quand j'ai commandé cette valisette, ce petit rangement, elle était affichée au prix de 24,39 € avec livraison gratuite. Et moi, je l'avais eu en promo à 21,10 €. 21,10 € avec la boîte en plastique qui n'est pas arrivée abîmée, plus 64 petits contenants. Franchement, je suis que contente. Vraiment, que contente. À voir ce que ça va donner dans le temps. Donc, je vais m'empresser de préparer une toile, hein, bien sûr, pour tester ce nouveau rangement. Voilà. Et donc, comme dit, on a encore les étiquettes avec. Sauf que je pense que moi, je vais peut-être pas m'en servir puisque j'ai les étiquettes réutilisables. Là, vous savez, les étiquettes où on écrit à la craie dessus. Donc, je vais découper et mettre sur chaque petit pot. Comme ça, dès que j'ai fini, j'ai juste à effacer et à réécrire dessus sans m'embêter de décoller les étiquettes. Enfin, on verra. Je ne suis pas encore à ce moment-là. Et bien voilà pour cette petite mallette qui est vraiment très très sympathique. Donc je vous mettrai dans ma barre d'infos le nom, la boutique AliExpress de ce vendeur, ainsi que le lien pour commander cette boîte. Alors à savoir aussi qu'il y a chez ce vendeur, donc dans le même lien que je vais vous mettre, vous pouvez commander différentes boîtes. Donc il y a les boîtes comme ceci avec ce type de rangement. Il y a les boîtes Tic Tac qui, eux, sont rectangles, les toutes petites, là. Il y a les boîtes rondes, donc c'est à vous de choisir. Et puis, il y a également les petits piluliers aussi. Voilà, voilà. Et bien, cet unboxing est maintenant terminé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.